Cette semaine, les Chemins pour l'emploi en Nouvelle-Aquitaine vous présentent une solution entrepreneuriale qui permet de combiner la force sécurisante d'un collectif avec les aspirations individuelles de créateurs d'activités. Il s'agit d'une coopérative d'activités et d'emplois qui permet de tester, développer et pérenniser une activité professionnelle grâce au statut d'entrepreneur salarié. Yannick Puiset, directeur de Copébat, une coopérative du bâtiment éco-responsable implantée en Dordogne et en Gironde. Alors, entrepreneur salarié, c'est un concept qui est assez ancien et très récent à la fois. Les premières coopératives d'activité et d'emploi ont plus de 20 ans d'existence. L'objectif était en fait au début des entrepreneurs qui souhaitaient pas exercer seuls et qui souhaitaient mutualiser des moyens. Ces coopératives se sont développées un petit peu partout en France. Il y avait deux réseaux qui se sont formés au fil du temps. Un réseau qui s'appelle Copéa et un réseau dont fait partie notre structure qui s'appelle Coopérer pour entreprendre. Et au fil du temps, ces réseaux ont réussi avec la Confédération Générale des SCOP à faire avaliser ce statut quelque part dans le Code du travail par la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire en 2014 avec un décret en 2015. Donc ce statut en fait essaie de concilier les avantages de l'entrepreneuriat, on est autonome, on développe l'activité que l'on souhaite et je dirais les avantages du salariat, c'est-à-dire toute la protection sociale qu'il y a derrière tout ça. On s'aperçoit effectivement que quand on est tout seul dans son coin à entreprendre, et moi je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise indépendant à une certaine époque, c'est pas facile, on est seul dans nos coins, même si on a des fédérations, même si on a des syndicats. C'est pas pareil quand on est dans une coopérative d'activité et d'emploi. Un entrepreneur qui crée, il est entouré d'autres entrepreneurs qui ont créé, qui sont en train de créer avec lui. Et donc, il a tout un tas de pairs autour de lui, plus un accompagnement. Il va pouvoir garder son autonomie tout en étant, j'ai tendance à dire, protégé. Et il peut avoir une certaine émulation grâce à ce collectif qui est autour de lui.